Mais la forte recommandation que nous avons, en premier lieu, nous suit, c'est d'avoir une bonne pluviométrie. Mais en deuxième lieu, c'est de juguler les déficits que nous avions dans les années passées, en ayant des semences très rapidement, qu'elles soient de bonne qualité. Nous en avons discuté fondamentalement. On nous a rendu compte la procédure qui a été mise en place. On demanderait fortement à nos membres, quand tu sens que la qualité de la semence ne va pas, de ne pas les réceptionner. C'est aussi simple. Parce que l'État met autant de moyens pour qu'on puisse arriver à ces intrants. Nous le reconnaissons. Et donc, si on sent que ce n'est pas de la bonne qualité, la meilleure formule, c'est de ne pas les réceptionner. La deuxième chose, c'est que nous surveillons, c'est les intrants, c'est les engrais. Mais au-delà, nous sommes en train de travailler en même temps sur les formes de production. On pense appuyer nos membres sur la productivité et la production du maïs par le biais de l'Asprodem. On est en train de négocier avec l'État et le ministère en tant que tel pour qu'on puisse apporter notre contribution sur la productivité pour l'atteinte de cette souveraineté alimentaire. Qu'on soit dans le cadre du maïs, qu'on soit dans le cadre de toutes les filières qui ont été citées comme filières premières, particulièrement des filières saison sèche, qui devraient apporter très rapidement à aider à être pas dépendant sur la souveraineté alimentaire. La question de la souveraineté alimentaire, elle est vieille au CNCR. D'une manière non explicite, mais à partir de 1996, le CNCR a défendu qu'au Sénégal, on n'a pas le choix à se faire. La première réaction qu'il faut pour garantir une souveraineté pérenne, c'est d'être indépendant sur le plan alimentaire. Et c'est ça la notion de la souveraineté alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'ouvrir à d'autres. Parce qu'il y aura naturellement, c'est Dieu qui le décide comme ça, il y a des choses qui n'existeront jamais au Sénégal. Mais que l'essentiel de la base de notre nourriture, qu'on le produise au Sénégal et qu'on le consomme au Sénégal.